Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge et Magie. On est sur une crocobure. Crocobure, item légendaire vraiment balèze dans la méta actuelle. Ceux qui font du PVP comprendront. Nous, ce qui nous intéresse, c'est évidemment ce qu'on va en faire. Donc là, on est sur un brisage PA. Le jet de base est plutôt bon. Alors, sur cet item, il n'y a qu'une chose à faire, c'est briser un PA. Essayer de s'approcher autant que possible du jet perf et mettre une rune trans. Voilà, c'est vraiment. Sur ce genre d'item, il n'y a vraiment que ça à faire. C'est un item qui est très dur à faire, il y a les 100 forces qui vont être très compliquées à gérer, il y a plein de 20 dos, enfin franchement c'est pas facile. Mais voilà, écoutez, c'est parti. La personne qui veut le briser ne s'en sert pas, ne compte pas spécialement s'en servir manifestement dans un futur proche. Donc voilà, il ne sait même pas encore exactement quel trans il veut. Donc là pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est on va se concentrer sur le brisage PA et on va essayer de faire quelque chose de clean. Alors pour ça. Il va falloir. En fait, ce qui est tentant, c'est de balancer des padots pour avoir. Pour comme c'est des grosses runes, ça a plus de chances de faire tomber le PA. Mais d'un autre côté, si on ne fait pas tomber le PA à la pado et qu'on est à 20 dommages et qu'on redescend à 19 et que le PA tombe, ça va être très compliqué. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de rester à 17 dommages pour qu'on puisse après avoir la pado une fois que le PA est tombé pour monter à 20. Ça, c'est très important de le garder à l'esprit. Là, le jet est très haut, donc on va juste pour l'instant mettre des petites runes d'eau. Bah, c'est parti, les amis. Hein. C'est maintenant. Ok, moins 1, moins 1 d'OR. Si j'ai encore un moins 1 d'OR, je pourrais mettre une pas d'OR. Je vais laisser les 2R tomber à 14. Ok, oh, c'est excellent, les amis. C'est absolument excellent. Je suis très content pour lui. Et ce qui est d'autant plus excellent, c'est qu'on a la force à 91. Et ça régale, ça régale, ça régale. J'ai 95 de puits. J'ai 95 de puits. Et alors, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est Rafo direct. Voilà, ça, c'était. On vient de passer la partie la plus dure du FM. C'était vraiment le plus chaud parce qu'en fait on a le perf force et croyez-moi que c'était pas du tout gagné. Maintenant il faut qu'on passe l'over vita. Ça c'est aussi essentiel. Oh, ça se passe hyper bien les amis, c'est incroyable. C'est vraiment un délire. Hein. Donc là j'ai du rab sur le puits. J'ai 29 d'over. Alors, il me faudrait une rune qui pèse 6 pour les enlever. Malheureusement, j'ai pas ça sous le coude. On va y aller à la rune tacle. Moins 21. Qui ne passe pas. Et la petite rune ré fixe. Et là, écoutez. On me dit que ça bug à fond sur le record. Ah, et vous ne voyez pas le chat des runes? Ah oui, j'ai pas mis le bon truc. Est-ce que ce serait pas mieux comme ça par hasard? Vous voyez les runes là? Par contre, si c'est là que ça rend fou, hein. Mais bon, ça j'y peux rien. Écoutez, de toute façon, c'est parti, hein. Maintenant on va au bout. Non mais tranquille, de toute façon, il n'y avait rien à voir, il n'y avait rien à voir en haut à gauche. C'est bon, vous voyez, c'est safe. C'est safe, c'est safe. Faites-moi des dons pour que je m'achète un PC, évidemment. Donc, ce qui compte, c'est que le brisage se passe hyper bien. Et ça, c'est le plus important, les amis. Et je suis très, très, très content pour notre ami qui nous propose cet item. Donc, on va mettre les 2R. Le petit crit qui régale. On va faire un full dos. Hein. Les crits, incroyable. Incroyable. C'est vraiment. J'aurais aimé que ce soit mon item. Vraiment, ça régale. Écoutez, on va aller chercher. Là, on a plusieurs options. On peut. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette la rage. J'ai pas trop d'autres choix. Parce que le 4, allez, il faut que ça passe. Ah, ça pique, hein. Moins 30, mais il n'y avait pas le choix. Parce que là, ça me permet de récupérer la rune tag derrière et le 70 agi. La force, on va pas pouvoir être greedy, on va pas pouvoir aller chercher le. Et on récupère pas le tag malheureusement. On va pas pouvoir aller chercher le perf chance, mais c'est déjà très très clean comme ça. On va maximiser évidemment les dos terre et neutre. J'ai moins 30 là. Il y a déjà plus que 13 de puits. C'est pas de chance, les amis. C'est pas de chance. Que faire? Bah 13 de puits, c'est la pataque. Hein. 13 de puits, c'est la pataque. Il n'y a pas beaucoup d'autres options, malheureusement. Pour un mode full terre, ce sera bien. Dommage qu'on n'ait pas les 20 dos neutres. Mais on a quand même un truc de très clean sur les premières stats. Est-ce que la pataque. Oh, le crit pataque, par contre, ça met hyper bien. Je pense que. Alors, qu'est-ce qu'on fait là?
Je pense que le mieux, étant donné que c'est... Essaye, il a pas de neutre, mais j'ai 13 en fait, ça va taper un moins 2. Hein. Après, je peux espérer que ça me fasse juste un moins 2 quelque part et que ce soit pas trop violent. Hein. Là, vous ne voyez pas le chat de la personne, mais elle me demande la pas de neutre. Bah, je vais mettre la pas de neutre. Si on a un moins 2 qui tape dans une... si on a un moins 2 qui tape dans une stat élémentaire, ça ira. Parce que le 20 d'eau ferait vraiment plaisir. Voilà, écoutez. J'ai écouté le client qui m'a demandé la pas de neutre. C'est... Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets. Ça reste malgré tout un très bon jeu vu la difficulté de l'item. Et malgré tout, on peut trans là-dessus. Et ça restera très propre. Je ne sais pas si la personne veut que je trans. Bah, dis-moi, je sais que tu es sur le live. Si tu veux qu'on trans direct, tu veux la garder comme ça sous le coude. Et puis tu mettras une trans quand tu auras besoin. Ça reste un jet qui est plutôt correct pour un mode terre. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à monter plus haut. On me dit dommage le grid sur la raage. Ouais, peut-être effectivement qu'on aurait pu aller chercher plus tôt. On aurait pu avoir deux tentapados à la place des trois raages qu'on a mises. Mais 64, c'est vraiment moche en stat, quoi. Ok, donc la personne en l'occurrence veut rester là. Écoutez, ça partait très bien. Ça s'est un peu moins bien placé. Peut-être effectivement que. Enfin, il n'y a pas de peut-être. La raage, oui, effectivement, a pris beaucoup. Mais 64 d'agi, c'est vraiment. C'est compliqué de laisser ça. L'item, de toute façon, est très très dur à faire. Et oui, ça reste quand même plutôt pas mal. Et je ne l'ai jamais FM, en fait, cet item en mode sans brisage PA. Et j'ai du mal à estimer la difficulté déjà d'atteindre ce jet-là. Si on a qui l'ont déjà fait, n'hésitez pas à me faire vos retours. Le mec veut remettre un PA. Bah écoute, si tu veux mettre un PA, go. Bah c'est parti, on va remettre un PA là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez? C'est parti, en fait. Bon, tant à PA. Par contre, on a un PA là-dessus, c'est quand même pas dégueu. C'est vraiment dommage qu'on ait pas la pas de neutre, parce que ça aurait fait un gros jet pour un mode terre. En fait, vous allez me prendre pour un troll, hein, mais... Moi, je serais presque tenté de mettre une pas de neutre là-dessus, et tenter le crit, mais bon. Allez, le PA. En vrai, si on a un PA, c'est quand même bien bien lourd. Sachant que moi, ça fait déjà 200 tentas que je suis sur mon item à essayer de balancer des PA. Mais évidemment, quand c'est pour les autres, ça passe en général. Ah, pas de chance. Bon, bah écoutez, voilà. C'était intéressant parce que malgré tout, ça nous fait voir un petit peu le comportement d'un item qui est de base un item très compliqué à FM. Donc je trouve que ne serait-ce que pour la science, c'était quand même stylé. Donc voilà, bon, je sais que vous ne voyez pas le chat in-game, enfin bon, je peux vous le montrer en fait. Je peux vous le montrer, ça m'évitera peut-être de me faire insulter dans les commentaires. C'est, voilà, la personne était en mode, elle a plein de kamas, elle a l'item qui traîne, elle s'en sert pas trop, elle voulait test. Voilà, moi j'aurais mis une pas de neutre, je pense, à la fin. J'aurais tenté le crit pas de neutre pour un mode full terre avec le 100 force... Le 445 Vita, les stats 68, 70, c'était quand même, ça aurait été un très très gros jet pour du mono-élément. Et un item tout à fait jouable dans l'ensemble. Mais voilà, il faut oser des fois, il faut oser déjà tenter des choses un peu ambitieuses sur des items, et puis voilà, faire un peu de beau jeu, quoi. Un peu de beau jeu, c'est en tentant des PA sur des gros jets qu'on a des gros trucs qui sortent des fois. Bon, bah écoutez, il semblerait que notre ami... Et allègrement repasser un PA sur son item. Donc en fait, bon, on y retourne. On y retourne, on va essayer de faire mieux que la première fois, en essayant de retenir ce qui s'est bien passé ou mal passé. Donc c'est parti. On a la force à 79, je vais essayer de spammer les rafos pour espérer avoir le 99, ce qui serait évidemment le meilleur scénario. Donc écoutez, c'est juste parti. Oh bah ça commence, allez. Oui. Oui. Trala. Ah, il faut vraiment pas que la force elle bouge. Si la force tombe, par contre, c'est dramatique. Je vais peut-être balancer la raage en vrai. Parce que il faut que je mette les runes les plus hautes possibles pour espérer faire tomber le PA. Mais il faut pas non plus que je me retrouve au-dessus de 17 d'eau. Donc la raage, je pense que là c'est opti. Ok. Trala, typiquement le 93, c'est la sauce. 93, c'est dramatique. On va mettre les pachas en espérant avoir un moins 3 force, ça peut arriver. Ok, ça c'est ouf. Est-ce qu'on peut monter à 100? J'ai un mini doute là. Ouais, non, on peut pas. On ne peut pas quand le PA est là, même si techniquement c'est censé passer, mais bon, c'est la forge magique. Si vous voulez, en fait, quand vous avez 101 de force, vous pouvez mettre le PA, mais quand vous avez le PA, vous ne pouvez plus mettre 101 de force. Bon, c'est pas de chance. Bon, on va mettre une ravie déjà. Ouais. On va éviter de retaper la rage de tout à l'heure.
Là, c'est la Pacha, je pense. Hein. Hop, qui est au petit. Ouais, c'est pas mal. La force à 88, c'est pas dégueu. Alors la chance, par contre, c'est dramatique. La chance, c'est dramatique. Il me faudrait, voilà, il me fallait plus 3 pour pouvoir y aller à l'arrachat. Ok, le PA tombe. J'aurais peut-être dû plus bourriner la force. Écoutez, on est là. Ça c'est du 0 puits, ça. Donc on a 90. 90, les amis. Bon, on va être capé à 85 force, mais ça reste correct. Merci pour les subgifts, merci à toi, Twars, tu régales. Alors, on va avoir un over à faire. Je préfère toujours faire l'over en premier, parce que c'est le plus chaud à passer. Et autant que l'item soit aussi léger que possible pour le faire. Ça fait très très mal, les amis. Mais là, pas le choix. Hein. Il n'y avait vraiment aucune autre option. Il faut que j'espère avoir du moins 21. Ah là là, pas de chance. La réussite n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est unlucky. Bon, on a quand même une vita qui est tout à fait correcte. Mettre la rafo. Moins 10, il nous reste 40. De toute façon, bon, il faut qu'on parte du principe que cet item, il est intéressant sur des modes... Enfin, c'est surtout pour des modes terre que c'est le plus opti, parce qu'il y a 100 force. Après, on peut le jouer sur d'autres modes, mais bon. C'est quand même majoritairement pour du mode terre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prioriser... on va prioriser les dos neutres et les dos terre. Et on va commencer par les dos terre qu'on va essayer de monter à 19. De 18 à 19, ça peut passer. Voilà, ça. De 19 à 20, c'est très très chaud. Et ensuite, on va essayer... je pense qu'on va partir dans l'idée d'un 19-19. Donc on va faire moins 5. Et là, j'ai deux tentats, pas dos neutres. Il faut pas... peut-être qu'en fait, à la tentat d'avant, je suis trop parti dans mon optique de perfectionniste, de me dire il faut à tout prix qu'on ait le full perf. Alors qu'en fait, je pense que c'est le genre d'item sur lesquels il faut être raisonnable. Il faut accepter qu'on n'aura pas le full perf. Et qu'on peut espérer avoir aussi bien que possible. Et là, c'était probablement la meilleure chose à faire. Bah écoutez, je sais que t'es sur le live, Unit Black, tu préfères pas de R ou rachat? Tu préfères monter la chance ou essayer d'aller choper les 19 de R? Moi, je pense que c'est le meilleur call. Après, on peut vraiment tenter de passer les 2 terres à 20, mais ça, c'est vraiment très très compliqué. Ça peut, hein, ça peut, mais c'est très compliqué. Là, pour moi, c'est pas d'OR ou rachat. Rachat, il me dit. Ok. Yes, moins 10. On a un dos. Bah, je te laisse choisir aussi le dos que tu veux. Alors, je sais que vous n'avez pas le chat in-game, mais c'est pas très important. Un dos. On peut soit monter le dos R, c'est la plus basse, ou essayer de grid le 19, ou monter à 19 de haut pour avoir un truc plus équilibré. C'est lui qui va choisir. Pas âge, il veut. Ça peut, pas âge. Les pas âge, quand on est capé à 60 sur l'item, ça passe très mal. À 70, ça peut passer. Ok, il nous reste 2. Bah là, par contre, c'est 2 de force, hein, sans aucun doute. Oh ! Les amis, toujours utiliser le puits à fond, il nous reste toujours 2. Et voilà. Écoutez, c'est déjà un jet plus équilibré que la fois d'avant. On n'a pas le 20 d'au terme, on a le 19-19, on a une force qui est quand même pas mal pour la difficulté de l'item. On me dit ignoble affreux dans le chat. Moi j'ai l'impression que c'est pas mal par rapport à l'item que c'est, hein, vraiment. Hein. La Vita qui est très propre. Franchement, moi je trouve ça pas dégueu. Hein. Pas, encore une fois, c'est par rapport à la difficulté de l'item. Sur n'importe quel autre item, on va dire conventionnel, des lignes comme ça, moi je dis bah c'est moche. Mais sur cet item qui est tellement... Enfin franchement, à FM c'est hyper dur. Moi je trouve que franchement c'est pas mal du tout. Hein. Remets un PA. Le mec n'a pas froid aux yeux. Il me dit remets un PA si vous voulez. Hein. Si vous voulez, c'est pas moi qui choisis en fait. Bon. Pas de chance. Pas de chance.